Coucou tout le monde, c'est le Steph, ma première vidéo, on va dire live d'une brocante mensuelle dans ma ville. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a en vinyle et autres éventuellement, voir quel vendeur on a. On a toujours un petit vendeur très sympa qui fait du vinyle et je lui achète des bas prix. Autrement, on va faire tous les autres stands pour regarder s'il n'y a pas du vinyle caché quelque part et on verra ce que j'ai trouvé. Allez, à tout de suite. Looked into the mirror and it poisoned my mind twice. It left me both times crippled and it tossed my fate like dice. I looked into the mirror and the devil smiled both times. My flesh was sold with no feelings, with no reason or rhyme.
J'espère que ça vous aura plu, ce petit compte-rendu visuel de cette brocante mensuelle qui se trouve pas loin de chez moi une fois par mois, quand c'est pas annulé. Et j'y allais de toute façon ce matin, le pur hasard, car la veille au soir, hier soir, je n'étais pas destiné à y aller puisque je ne me rappelais plus qu'elle y était déjà. Et c'est vraiment le hasard du hasard. En faisant d'autres choses, je me suis dit, tiens, vide grenier demain, oh, il fait froid, j'ai pas envie de me lever. Pof! Est-ce qu'il n'y aurait pas la brocante mensuelle? Et c'est comme ça, vers 22h, 23h, que je me suis pris en disant, bah, je vais y aller. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des choses que jamais je n'aurais trouvées dans cette brocante mensuelle. Je la fais depuis, on va dire, peut-être des années et j'ai toujours trouvé quelques vinyles, mais c'est souvent le même vendeur et malheureusement, alors sur la vidéo vous ne le verrez pas parce qu'il n'y était pas. Donc j'étais plutôt destiné à repartir brocouille, comme je dis souvent, bredouille. Et non, en fait, la première des étals, le premier étal, si vous vous rappelez de la vidéo un petit peu en amont de ce vlog que je fais ensemble avec vous pour vous montrer les 11 vinyles que j'ai trouvés, et il y en a des bons hein, pour pas cher. Le premier étal, c'est un monsieur, c'est un professionnel de Lyon qui vient depuis des années. Il doit avoir 75 ans. Il se trimballe des caisses de livres, mais c'est fou ce qu'il étale et tout sur ces longueurs de 10-20 mètres d'étal de bouquins. Et il a toujours, comme vous avez pu le voir, quelques bacs de vinyle. Un peu de 45 tours, des bacs de vinyle. Et là, paf, il avait mis des cartons à 5 euros. La plupart de ses vinyles, 5 euros ou 2 bacs à 10 euros. Il a augmenté vraiment ses prix qui, au départ, étaient tout était en général à 3 euros. Mais avant, il y avait vraiment du choix dans des choses internationales, dans du rock. On pouvait peut-être trouver de temps en temps une à deux pépites comme un Stones, un Sticky Fingers avec la braguette pour 3 balles. Et là, en bon état, c'est pas moi qui l'ai eu ce jour-là, c'est une autre personne. Bref, bon. Et là, 5 euros, et vous avez vu ce que j'ai vu, rien d'intéressant. Donc j'ai laissé tomber cet étal, je suis revenu donc au milieu du hall de cette brocante, et là, vous avez vu qu'il y avait un vendeur qui avait des jeux vidéo, des petites figurines à droite à gauche, cette grande poupée en plastique, figurine Superman, et ces bacs de disques. Et là, je pense que vous avez sûrement, comme moi, halluciné dans ces prix. Même s'il avait des bons vinyles, les prix étaient prohibitifs. Franchement, prohibitifs. Enfin, bon, je vous aurais montré cette étale. C'est un vendeur que je n'avais jamais vu sur cette brocante. Bref, et j'ai quand même acheté le seul vinyle dans les 11. Je lui en ai acheté un parce que vous avez vu, il faisait tout en fait à 25%. Il voulait arrêter les vinyles et je pense que c'est bien pour lui hein, d'arrêter les vinyles à ces prix-là. Mais à ces prix-là, il ne vendra plus. Mais moi, je lui en ai pris un. Vu qu'il me l'a fait à 25%, ça nous fait du 10 euros. C'est le plus cher pratiquement que j'ai acheté dans cette brocante. Et j'en suis pas mécontent car je ne l'avais jamais vu. C'est la bande originale du film, du seul film avec des vrais acteurs, Popeye, film de Robert Altman avec les acteurs. Ben, vous avez Robert Altman, c'est le réalisateur. Vous avez Robin Williams qui joue Popeye et vous avez Shailene Duval ici, bon, qui est assez méconnaissable, mais on ne pouvait que prendre une actrice comme elle, puisque c'est l'actrice, rappelez-vous, du film Shining avec Jack Nicholson. Voilà, très content de ce Popeye à 10 euros, en très bel état. Il m'a fait donc 25%. Et voilà, je n'avais trouvé que ça. Pour moi, j'avais fini. J'avais vraiment fini. Je repartais donc sur l'entrée que vous avez pu voir. Je repartais sur cette entrée et... Et c'était pour moi terminé. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En regardant un petit peu ben, ces fameux brocanteurs hein, de bois et de verre, deux bacs. Les deux bacs que vous voyez en dernier dans la vidéo, le bac, le carton. Tout ce qui était dans ce carton, malheureusement, très peu de choses intéressantes,
2 euros. Et par contre, dans la cagette, dans le bac en plastique jaune, c'est là que j'ai trouvé la plupart des vinyles que je vais vous montrer. Alors, sur cet achat-là, je n'avais pas tout filmé. Je n'étais pas en train de filmer sur les bacs quand j'ai acheté. Je ne pouvais pas faire autrement que de les acheter avant de refilmer. C'est pour ça que vous ne les verrez pas dans la vidéo et que je vais vous les montrer maintenant. Mais bien sûr, il faudra me croire. Il y en a deux que vous avez vus dans la vidéo parce que je suis revenu et c'est là que j'ai voulu filmer et que je lui ai racheté. Enfin, que je lui ai acheté. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, le premier dans le carton, tout à 2 euros. J'ai trouvé ça très, très bien. Je l'ai déjà, je pense. Le Clues de Robert Palmer. Très bel état. Ah, c'est un vinyle qu'on trouve à 5-8 balles. Mais là, 2 euros en très, très bel état. J'ai pris ce Robert Palmer où on a beaucoup de bons titres, hein, comme son fameux tube interplanétaire, Johnny and Mary. L'année, je vais passer à côté, je ne sais plus, l'année de ce Robert Palmer. Voilà. Après, dans le bac jaune, c'était des prix qu'elle avait, elle, pris soin, cette dame, avec son mari, de noter des prix, tous différents. Ça allait de 3 euros à, je pense, à une quinzaine d'euros. Il y a un ou deux vinyles que je n'ai pas pris et j'aurais dû les prendre quand même, mais c'était trop tard. Quelqu'un était passé derrière moi avant que je filme et quand je suis revenu filmer, eh ben, il n'y était plus. C'était un Led Zepp. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je leur ai trouvé? Là, j'en suis très content. Personne ne les a pris. De la BO. Eh bien, écoutez, la bande originale, l'OST de John Williams, Rencontre du troisième type en version originale, enfin française, neuf, que de chez neuf, ça craque encore, j'en suis très content, donc magnifique, hein. Scrutez le ciel, nous ne sommes pas seuls, le score, hein, de John Williams, Rencontre du troisième type, je ne l'avais pas dans sa version française. Puis, magnifique, donc 3 euros, je vous donne quelques prix, mais vu que vous avez vu que j'en ai 11, à 50 balles, j'ai dépensé 50 euros à 11 vinyles. Ça fait à peu près 5 euros le vinyle. Mais là, celui-là était à 3 euros. Magnifique. Celui-là, la version complète et intégrale originale de 1988 de Eric Serra, Le Grand Bleu, dans sa version avec Le Grand Bleu, version intégrale brillant, excusez-moi, j'en suis encore un peu tout retourné. Double LP, double vinyle, magnifique. Quelques petites taches d'ancienneté, mais rien de grave. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Tranche, etc. C'est magnifique. 3 euros. Celui-là, vous l'avez vu dans la vidéo de cette brocante. Je lui aurais pris. Je suis revenu donc. J'ai filmé, je l'aurais pris, le Hair, magnifique, une version française, mais d'époque. Hein, il n'y a aucun repress hein, dans ce que je vous présente. Bon, c'est un bien, je n'ai pas l'année, les années 70, hein, une pochette magnifique. Vous voyez avec les rabats ici, collés, extérieurs, comme neuf, chez Polydor, chez Privilège Polydor, original London Cast. Une pochette très psychée, magnifique. Et le deuxième que vous avez vu dans les bacs, que j'ai pas pu ne pas prendre, et je pensais l'avoir, mais en fait, je ne l'ai pas. J'ai regardé vite fait dans mes Ike et Tina Turner avec une pochette. Regardez-moi ce visuel. Bon, alors peut-être qu'ils étaient en froid et que ça pétait, mais franchement, regardez ce visuel-là, l'homme et la femme, le mari et la femme, magnifique. Voilà, avec Tina Turner et son mari Ike. Working Together chez Liberty Records. Magnifique, rien à dire. Donc celui-là, c'est pareil, j'ai dû l'avoir à 3 euros. Ils avaient aussi ce double album 1978, un live enregistré à l'Olympia en mars 78 de Bernard Lavillier, T'es vivant. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez la tracklist. Ça, c'était les très bonnes époques, enfin... Lavillier, il n'est pas parti, mais bon, pour moi, Lavillier, les anciens, voilà, les premiers, on va dire, les anciens, Lavillier, Soleil Noir, Jukebox, Capoeira, Les Barbares, magnifique, tout neuf, 3 euros.
que vous n'avez pas vu non plus celui-ci, The Digels Band 1971, un groupe que j'aime bien parce que ça déconne, c'est bien rock, ça déconne aussi, c'est très plaisant à écouter. Je connais pas ce live, j'espère qu'on aura un bon son. Voilà, avec donc le chanteur, hein. On dirait Mungo Jerry, je ne sais pas si c'est pas lui d'ailleurs, mais c'est pas lui. Hein. Donc enregistré en 1972 en live The Digels Band Full House. Putain, comme neuf, d'époque. Puis les trois derniers, ceux pour lesquels je me suis dit, bon, il faut que je filme l'ensemble de la prestation, après tout, j'en ai jamais fait ou pas, je pense pas avoir fait vraiment de vidéos comme celle-ci. Elle avait, la dame, pareil, le Deep Purple Fireball 1971. Terrible, encore un excellent pressage Pathé Marconi France avec les titres Fireball, Fools, The Mule, Anyone's Daughter. Bref, un excellent album qui va rejoindre les autres albums de Deep Purple. Et en 1971, on avait celui-ci qui sortait, les Pink Floyd, Middle, 1971. Regardez ça, superbe. Pour des petits prix que j'ai eus tout à l'heure dans cette brocante, jamais j'aurais pensé repartir avec des vinyles dans cet état-là. Pressage français, Pathé Marconi, 1971 chez Harvest. Bon, quand même, on les connaît, hein, les macarons, mais ils sont magnifiques. Chez Harvest, pressage français, 1971. Et le dernier, alors bon, c'est pas tout à fait ma période, hein. Pink Floyd, excusez du peu, mais moi, ça commence quand même, ça va commencer avec The Dark Side of the Moon. Ceux-là, bon, sont... C'est les premiers, pardon, enfin, j'arrive pas à le mettre, tellement c'est neuf, vous voyez. Voilà, 1971, Middle. C'est compliqué quand même, c'est assez complexe à écouter. C'est vraiment un gros prog. Et 1970, l'album avant Middle, le Atom Earth Mother, comme neuf aussi pratiquement, pour 5 euros, hein. Je vous rappelle un petit peu les prix si je fais une moyenne. Et pareil encore, du Harvest, nickel, magnifique. Je les remercie, enfin je les remercie, oui, qu'est-ce que je peux dire, jamais j'aurais cru tomber cette brocante normalement, cette brocante mensuelle, il n'y a rien. Il n'y a que ce vendeur qui n'y était pas. Là, ben, il y avait eux. Ces gens qui viennent tous les mois, ils viennent vendre leur mal, ils viennent vendre des chaises, des choses comme ça. Ils ne sont pas dans le vinyle. Elle m'a dit, cette dame, que c'était à son père et qu'elle sortait de temps en temps. Là, c'était la première fois qu'elle le faisait sur cette brocante. Elle sortait de carton pour voir un petit peu. Mais ils avaient quand même fait des prix. Donc, quand elle m'a dit, j'ai des prix particuliers pour certains des disques, bon, je me suis dit, c'est mort, si on regarde sur Discogs et qu'on voit 60, on va mettre 40, etc. Bon, je me suis dit, je ne pourrais pas les acheter, mais là, c'était tout à fait correct, mais alors plus que correct, hein, puisque je suis reparti voilà, avec, chez elle, 10 disques pour 45 euros, et celui-là, 10, donc 55, voilà, 55. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de tourner de temps en temps en extérieur. Bon, là, maintenant, avec le temps qu'il fait, on se les pèle. Il y a un brouillard à couper au couteau dans notre région. Et puis, bon, on n'a pas trop envie de sortir à 6 h du matin, à 7 h. Je pourrais en faire peut-être l'année prochaine, puisque je vais avoir un temps libre de fou. Là, je commence à l'avoir d'ailleurs en ce moment. Mais enfin, je suis pour l'instant en congé. Je vous souhaite à toutes et à tous, bon, de bien vous porter, de faire très attention à vous, autant sur la route qu'en buvant quelques canons, qu'en faisant la fête. Hein, soyez toujours, bien écoutez, comme vous êtes, c'est-à-dire humain. Salut, à bientôt. Ciao, bye. Faut que je vous fasse cette vidéo.